Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Monsieur le Président de la République du Ghana, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les députés à l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, nous tenons, mes camarades de la délégation des 14 partis de l'opposition et moi-même, à remercier très sincèrement les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana et Alpha Condé de Guinée, ainsi que leurs collaborateurs pour l'initiative de cette rencontre. Nos remerciements vont également aux ambassadeurs des USA, de l'Union européenne, de la France, de l'Allemagne, des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, la crise qui mine le Togo est profonde. Elle prend ses racines aussi loin que le 13 janvier 63, lorsque le premier président de la République togolaise est assassiné. C'est depuis cette date que le pouvoir d'État est confisqué et conservé par la force et dans le sang. C'est également à cette date que remonte la nouvelle lutte de libération engagée par le peuple togolais pour s'affranchir de l'oppression et recouvrer sa liberté et sa dignité. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, cette lutte est entrée dans une phase décisive et irréversible. Car, excédée par plus d'un demi-siècle de violations massives des droits de l'homme et de malgouvernance, l'ensemble des populations togolaises se mobilise massivement sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger dans la diaspora pour manifester son rejet absolu de la dictature et exiger le retour à la constitution originelle de 1992 avec ses conséquences. Mesdames, Messieurs, les préoccupations et les revendications des populations togolaises portées par nos 14 partis politiques ainsi que la société civile
c'est la dernière fois. De même que les voies de sortie de crise que nous préconisons font l'objet d'un mémorandum soumis à votre attention. Il en ressort, nous en appelons à cet égard, au sens des responsabilités et à la bonne foi du pouvoir togolais. Le peuple togolais neuf, excédé, mais résolu et déterminé, est avec nous. Il est dehors et il espère. Il est debout et il attend. Il nous attend. Je vous remercie. Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.